Miyamoto Dai, c'est un jeune gars qui aime tripoter son saxo. J'ai dit saxo. Arrête d'avoir l'esprit mal placé. Hein. Et dans Blue Giant Supreme, il décide d'aller en Europe pour y voir comment on pense et pratique le jazz sur le vieux continent. Il débarque alors à Munich, sans causer ni pimper le moindre mot d'allemand. Je te raconte pas la galère pour bouffer, se loger et surtout pour trouver un endroit où il pourra jouer avec son saxo. Fun, son saxophone. Oh, le vicelard celui-là. Blue Giant Supreme, c'est la suite directe de Blue Giant, de l'hyper talentueux Ishizuka Shinichi. En provenance du Big Comic, magazine seinen de la Shogakukan, et fini en 11 volumes courant 2020, Blue Giant Supreme aura également une suite avec Blue Giant Explorer. Eh, qui sait jusqu'où ça va aller? T'as tellement de qualité dans Blue Giant Supreme! Déjà, tu ressentiras toute la passion débordante du mangaka, comme il l'avait déjà fait pour ses séries précédentes, genre verticales. Ce coup-ci, c'est le jazz qui est mis en avant, mais via la quête initiatique du héros, en Europe. Ce mélange réussit parfaitement à toucher le lecteur et propose même une belle ouverture sur les cultures étrangères européennes. Puis bon, faut dire que le dessin précis et débordant d'énergie du mangaka apporte aussi pas mal à ce titre, que je te conseille fortement. Surtout si tu aimes la musique. La note de Manga News, 16 sur 20. Et si l'histoire de Blue Giant Supreme t'a pris au trip, n'hésite pas à aller te renseigner sur Blue Giant, Your Lie in April, Captain Tsubasa. J'ai beau avoir un bon gros saxo, j'arrive pas vraiment à l'utiliser correctement. Alors, si t'as des astuces, je suis preneur. En tout cas, abonne-toi, like, commente, partage, je compte sur toi. Et surtout, continue de suivre la voie du manga.